Nous avons mis en place des moyens d'enquête pour essayer de localiser au plus vite cette personne pour qu'elle ne puisse pas, je veux dire, commettre cet attentat. Et donc, nous pouvons être fiers au sein d'AdR3 et aussi avec tous les services de la police judiciaire fédérale qui ont participé à cette localisation et à l'interpellation de cette personne en moins de 24 heures. Au début, quand j'ai été nominé, quand j'ai appris en tout cas la nomination, c'était fait à mon insu par l'FBI. Je l'ai appris le 1er avril, et enfin dans les alentours du 1er avril. Donc j'ai cru que c'était vraiment une boutade qui était organisée par mes collègues. Et ensuite j'ai pris conscience que c'était réel. Donc déjà j'avais une certaine fierté au mois d'avril quand j'ai compris le sens de cette reconnaissance. Mais ça a pris évidemment une toute autre dimension une fois qu'on est ici.